Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour ou bonsoir, selon le pays à partir duquel vous allez vous me suivez ou vous allez me suivre après cette vidéo, je voulais dire. Alors, je suis l'évangéliste, écrivain, conférencier, Éloge Ekissi. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite vidéo est de vous annoncer que je serai très bientôt en Italie pour 2 jours de prière intense et après, il y aura au moins 2 jours de réception où nous allons discuter de près et prier ensemble. La raison pour laquelle nous avions décidé d'organiser cette grande conférence, c'est-à-dire les organisateurs et moi avions convenu que cette conférence devrait avoir lieu, est que il y a bien des écrits bibliques que nous semblons ne pas avoir réellement décodés. Et il y a bien des personnes qui, d'un peu partout dans le monde, luttent et aimeraient avoir des réponses à leurs questions ou des solutions à leurs problèmes. Cependant, malgré les nombreuses promesses bibliques que nous voyons nuit et jour, chaque nuit, que nous méditons, nous lisons, que nous transportons avec nous dans nos sacs comme dans la Bible et dans les appareils électroniques, beaucoup de nos questions restent sans réponse et nos problèmes restent sans solution pour la simple et bonne raison que ça fait des années que certaines personnes prient et ne parviennent pas à obtenir des réponses à leurs prières ou des solutions à leurs problèmes. Pour ce faire, nous avions décidé, c'est-à-dire que j'ai convenu ensemble avec les organisateurs depuis Italie, Vigevano ou Pavia, d'organiser une grande conférence qui se tiendra en Italie le 30 juin 2018, c'est-à-dire que cette conférence aura lieu d'ici 7 jours ou 8 jours. Alors, je suis là pour vous inviter à cette grande conférence durant laquelle je vais déployer toute mon énergie, ma force et les capacités avec l'aide de Dieu pour amener les gens à prier et pour leur enseigner comment prier pour avoir une réponse rapide. En ce que je sache, autrefois, lorsque les hommes de Dieu priaient, ils obtenaient des réponses immédiatement. Bien-aimés, c'était exactement la méthode ou le procédé que le Seigneur Jésus-Christ était venu nous enseigner. Il était venu non seulement pour annoncer l'évangile, pour que nous ayons le salut, mais aussi, en plus de ce salut, il est écrit que si nous demandons, nous allons recevoir. Si nous frappons, l'on va nous ouvrir. Et si nous cherchons, nous allons trouver. Mais il se trouve qu'il y a des individus qui, depuis des années, luttent pour régler leurs problèmes et ne parviennent pas à y arriver, ou luttent avec des problèmes, des maladies, des blocages qui ne finissent pas au fil des ans. Et par fini, je me suis dit que mais il y a certainement quelque chose qui ne va pas, parce que Dieu ne peut pas nous dire que si nous demandons, nous allons recevoir, ou si nous cherchons, nous allons trouver. Et puis, depuis des années, certaines personnes luttent avec des problèmes qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Elles sont tout le temps à l'église, on leur enseigne sur ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. On leur enseigne en gros la loi divine contenue dans la Bible, selon laquelle Dieu voudrait qu'on marche pour avoir une réponse à nos besoins, à nos solutions, et aussi une solution à nos problèmes, puisque la parole de Dieu déclare bien dans Deutéronome que nous serons à la tête et non à la queue. Ou en haut et jamais en bas. Lorsque nous méditerons le livre de la loi, bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour qu'en plus de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quiconque croit en Dieu ait une réponse à ses questions ou des solutions à ses problèmes. Mais aujourd'hui, il se trouve que le monde entier soit plongé dans le chaos, comme s'il y avait certains petits détails qui nous échappaient. Effectivement, il y a le procédé qui existe et aussi des choses que la Bible appelle les choses profondes et cachées. Dieu m'a concédé la grâce de faire quelques petites découvertes, pas des choses qui sont extraordinaires, mais des petites méthodes de prière ajoutées à une certaine attitude qui permet d'avoir des réponses à sa prière rapidement. Et cela m'a permis depuis des années de sortir de mes problèmes, de ma galère, de ma misère, et de savoir comment prier pour avoir une réponse immédiate, ou comment prier pour que dans les jours qui suivent, le Seigneur puisse donner des réponses à ma demande. C'est ce que je vais apprendre aux gens à faire en Italie, avec l'aide de Dieu, bien sûr, et l'aide du Saint-Esprit. Et en plus de cela, je vais conduire les gens dans une sorte de prière qui va permettre à certaines personnes ou à ceux qui viennent, si vraiment ils se donnent à fond, puisque c'est la foi qui fait, c'est pas éloge, d'avoir des réponses. Ça a été le cas
à Atlanta. Je viens à peine d'arriver. Ça fait 2 jours que je suis venu d'Atlanta. Les gens ont été merveilleusement bénis, à tel point qu'il y a une autre date qui a été fixée pour mon retour à Atlanta. Ça a été le cas aussi à Paris et un peu partout où je suis passé. Le Seigneur m'a utilisé puissamment et avec son aide, il y a eu des malades qui ont guéri, des gens qui ont eu des déblocages et autres. C'est ce message que je viens pour vous donner, pas parce que Dieu vous a oublié, pas parce que Dieu veut forcément passer par un homme pour faire, mais parce qu'un jour ou l'autre, il faut que l'on se lève et dise, assez, c'est assez, il est temps maintenant qu'on prie jusqu'à la victoire. C'est ce que je suis venu faire avec vous, ou ce que je viens faire avec vous, ce que j'ai l'intention de faire en Italie. Voilà, je vous invite donc à venir à cette grande conférence qui aura lieu très bientôt à Vigevano, ou à Pavia, je ne sais pas comment on prononce, mais ce qui est sûr, nous sommes déjà à quelques jours de notre grande conférence d'Italie. Bien-aimés, parfois nous trouvons des excuses, c'est parce que j'ai ça à faire, c'est parce que je n'ai pas ci, c'est parce que je n'ai pas ça, mais à cause de nos excuses et raisonnements que le diable nous pousse à avoir parfois, les raisons sont fondées, mais à cause du manque d'initiative, l'ennemi semble continuer à gagner les batailles, alors que ce n'était pas le cas selon les promesses divines. La parole de Dieu nous déclare que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Toutes les puissances de l'ennemi, sans exception. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui nous soyons en train de souffrir? Venez découvrir comment prier pour vaincre afin que tous vos malheurs, tous vos problèmes et malédictions se brisent pour que vous puissiez voir la grâce de Dieu sur votre vie, la gloire et l'accomplissement de vos rêves et besoins. Voilà, c'est l'évangéliste écrivain conférencier. Éloge Ekissi depuis Montréal. Bien-aimé, si vous avez besoin de plus d'informations concernant le programme d'Italie, vous pouvez me joindre au 001-438-995-4109. Je répète, 001-438-995-4109. Éloge Ekissi pour le programme de l'Italie. Je vous invite. Merci et à bientôt. Je reprends 001-438-995-4109. Éloge Ekissi. Merci et bye.